Nos deux stars d'aujourd'hui adorent prendre des bains. Chacune des filles a sa propre routine beauté. Aujourd'hui, Lalilou va te montrer les salles de bain d'une maison riche et d'une maison pauvre. Retire toutes les vieilles étiquettes d'un contenant en plastique. Taille les côtés. Cette éponge en mousse va nous aider à le peindre. La baignoire est plus belle en doré. La baignoire tiendra debout grâce à des pieds courbés et lui donneront un aspect encore plus élégant. Ajoute une couche de vernis et saupoudre les côtés de paillettes. Où sont nos trésors? Il y a assez de pierres précieuses ici pour la décorer. On n'a plus qu'à installer un robinet et deux boutons. Megan a une salle de bain magnifique. Elle a une étagère avec des soins pour la peau hyper luxueux. Une coiffeuse confortable avec des lumières et même des toilettes en or. Megan a décidé de prendre un bain et la bonne commença alors à tout mettre en place. Elle fit couler un bain et ajouta des huiles et de la mousse. Comme Megan adore. Megan est très contente du résultat. Elle entra dans la baignoire, joua avec de la mousse, se détendit et s'endormit même. Elle rêvait qu'elle se trouvait dans une pièce bizarre avec des meubles super cheap dedans. Et elle prenait un bain debout. Je suis où? Où sont mes parfums et mes huiles? Je suis recouverte de boue! Oh, c'était juste un mauvais rêve. S'endormir dans la baignoire, c'était pas une bonne idée. Fais une simple baignoire. Couvre le récipient de peinture acrylique. Ajoute des marques d'usure et de la rouille à l'extérieur. Le robinet et les boutons en métal fonctionnent. Mais ils sont là depuis longtemps. Alors, ils ont rouillé. Des pieds métalliques faits avec des dés à coudre supportent la baignoire. La baignoire est vieille et rouillée, mais ça suffit pour se laver. La pauvre Rose n'a pas beaucoup d'argent. Mais elle a entendu dire que les riches prennent des bains de boue. Moi aussi, je veux prendre soin de ma peau. Elle a donc rempli le sac de terre et l'a mélangé avec de l'eau. Wow! Je vais essayer d'aller dedans. C'est tellement agréable! C'est pas trop mal! Mais je vais devoir prendre une douche après un bain comme ça. Hihi. Une tablette pour la baignoire, c'est une chose très utile. Ça a été difficile de trouver les bons matériaux. Mais on a trouvé des brochettes en bois parfaites. Fais une tablette avec des bâtonnets d'esquimaux. Recouvre-les de peinture acrylique nacrée. Et décore-les avec des ornements en strass. Megan est une femme d'affaires célèbre. Je peux jamais prendre de pause. Même dans la salle de bain, je dois finir mon boulot. Lucie, un cocktail! Grâce à cette tablette, je peux bosser n'importe où. Mais c'est l'heure de faire une pause. Le dernier magazine de mode? Je dois y jeter un coup d'œil. Rose a aussi une tablette pour sa baignoire. Mais c'est qu'un morceau d'écorce d'arbre. Au moins, le design est écolo et minimaliste. Elle peut combiner à la fois son hobby et son moment de détente dans la baignoire. Rose peut prendre un bain debout tout en lisant son livre préféré. Sans cette tablette, j'aurais pas découvert que Marcelo s'était remis avec Isabelle dans le troisième chapitre. Wow! Je suis choquée! J'ai envie de dévorer ce bouquin. Serre du tulle doré comme ceci pour qu'on puisse faire un joli loufah. Accroche-le à une boucle faite avec un cordon. Et décore-le en faisant des rebords scintillants. Ce loufah de luxe crée tellement de mousse. Il exfolie les peaux mortes,
pendant la police est douce. Megan est ravie. Découpe 3 cubes dans une éponge. Attache-les avec une ficelle et c'est terminé. Rose achète des éponges en vrac. C'est beaucoup moins cher. 3 éponges, ça dure longtemps. Et elles font très bien leur travail. Couvre un bouchon de shampoing avec de la peinture dorée. Ajoute de petits cristaux dedans et mélange-les avec du gel douche nacré. C'est tellement joli! Découpe un couvercle avec une marque dessus et attache-le avec un cordon doré. C'est un gommage à base de diamants. C'est un soin de luxe pour notre cliente VIP. Rien ne nettoie mieux ma peau que la poudre de diamant. Je dois juste faire attention à ne pas griffer ma peau. Mais ça en vaut la peine pour que je sois belle. Hihi. Remplis une petite bouteille en verre avec de la terre. Des pierres créeront l'effet gommant. Ferme-la avec un bouchon de liège et pose-la sur la table de Rose dans la salle de bain. Moi aussi, je suis les tendances beauté. Les gommages, c'est une partie importante des soins de la peau, surtout pour les jambes. Les pierres sont pas si petites, mais ça fait quand même beaucoup de bien à ma peau. Fais un masque pour le visage à partir d'une lingette humide séchée. Laisse des trous pour les yeux, le nez et la bouche. Couvre la base avec une fine feuille d'or et fixe-la avec du vernis. On doit ranger ce masque dans un sac jetable. Les produits de cette marque de luxe sont tous haut de gamme. J'aime pas l'aspect de ma peau. Lucie, va me chercher mon masque. Je peux t'offrir notre masque le plus cher. Il a 24 carats d'or. T'inquiète pas, l'or aura un effet encore meilleur qu'un masque à l'huile de truffe. Elle a juste besoin d'attendre un peu, jusqu'à ce que l'or commence à agir sur la peau. Je suis super contente! Ma peau est tellement lisse! Mais la prochaine fois, je dormirai plus tôt pour faire du bien à ma beauté. Coupe des flocons d'avoine en plus petits morceaux. Et verse-les dans un mini paquet. Il est tellement usé! On va le mettre en vente. Rose est venue à l'épicerie pour acheter des flocons d'avoine. Oh là là, tout est tellement cher! J'ai même pas assez d'argent pour un seul paquet. C'est mon jour de chance! Une promo! On dirait que les souris aussi voulaient des flocons. Merci pour votre achat, passez une bonne journée! Rose se rendit à son endroit préféré au parc. Personne ne me dérangera ici. Ok, revenons à la recette. Ajoute de l'eau dans les flocons d'avoine et applique-les sur la peau. Ah, c'est tellement relaxant! Après un masque comme celui-ci, ma peau sera étincelante! Remplis une bouteille en verre avec de l'huile pour cheveux. Mélange avec des paillettes. Et ferme-la avec un bouchon de liège. C'est qu'un des nombreux produits de beauté de Megan. Regarde ces étiquettes! Dior, Prada, Chanel! Megan n'utilise que des produits cosmétiques haut de gamme. Quand on a les cheveux noirs, il faut leur apporter plus de brillance. Crois-moi sur parole! Avec cette huile Dior extra nutritive, mes cheveux seront aussi doux et brillants que de la soie. Et on n'a besoin que de quelques gouttes. Waouh! Le résultat en valait la peine. Rose a une routine plus facile pour ses cheveux. Découpe un petit morceau de savon pour bébé. T'as déjà entendu parler des barres de shampoing? C'est ce que Rose préfère. Rose fait soigneusement mousser la barre et applique du shampoing sur ses racines. Malgré le peu de soins que Rose apporte à ses cheveux, ils sont parfaits. Rose est super douée pour faire des produits capillaires maison. C'était tellement excitant de voir les différentes routines beauté des filles. Les deux filles ont leur propre façon de prendre soin d'elles, mais elles sont toutes les deux magnifiques. Lâche-leur ton like! Et si tu t'abonnes à Lalilou,
tu ne manqueras pas nos nouvelles idées pour poupées.